si vous ne sortez pas le mal, et après ça pleure. C'est des consanguins. Mais on n'est pas des chiens comme vous, hein. Vous vous souvenez dans mon mari, t'as raison, ma chérie. Vous vous êtes deux fois. Vous avez raison de vous faire. Si vous n'avez pas la raison, on va bien la faire. Ça revient bien au culé, et après ça vient, ça fait mal aux gens. C'est pas bien ça. Allez, crie, crie, la sodomie qui passe plus. Crie, bambou, là. Mais si vous faites la sodomie, vous aimez ça. C'est pour ça que vous avez les mains bien gonflées. Parce que tu prends la peine, tu prends les œufs, tu fais ça. À tes souhaits, fais attention, mais bientôt tu vas te découper avec ta bière verbale. Parle bien, la sœur. Bientôt tu vas te découper. Tranquille, tranquille, avec ta bière verbale. Tranquille, 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 tranquille. C'est parce que c'est vous qui pensez qu'on peut pas avoir de soumis, parce que vous avez l'impression que vous pouvez être indépendant.
D'ailleurs, moi, c'est parce que j'aime pas trop me vanter, mais au milieu, quand je lisse mes cheveux, ils sont de cette taille. Hein. Vraiment. C'est juste que des fois, voilà, on n'a pas forcément envie de tout le temps les lisser et tout. On attend d'avoir une certaine longueur, mais on n'est pas tout en mode bald-headed, en train de se cacher les crânes sous des perruques et tout. Hein. Porter des extensions des perruques, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien dessous. Mais bon, ça montre à quel point vraiment les femmes... Oh, les hommes, ils sont méchants. Oh, non. Même entre femmes, vous n'êtes même pas foutus d'être solidaires. Des fois, je me dis, même s'il faut, depuis l'enfance, c'est comme ça, en fait. En fait, tout le monde fait semblant. C'est ce que je commence à me dire. Tout le monde fait semblant. Et après, quand on grandit, on se rend compte qu'en fait, la plupart des gens font semblant, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Moi, mieux vaut tard que jamais, on voit ce que les gens pensent vraiment. Toi, tu seras l'alcool. Ben justement, il arrête quoi si tu regardes, il arrête quoi. Parce que ça fait de l'audience, ça fait des coups. C'était ce que je voulais, non? De toute façon, pour la plupart des hommes noirs, quelle que soit l'origine, t'étais complexe, c'était ça le but. C'était que les femmes, elles se tapent dessus, en fait, parce que c'est ça, finalement, qui se passe. Mais bon, continuez comme ça, vous allez voir. Continuez comme ça. Là, j'ai dit, hein, vous voulez la guerre, vous allez la voir. Tous ceux qui veulent la guerre, vous voulez la voir, ben, préparez-vous, parce que ça va sûrement bientôt arriver d'une manière beaucoup plus concrète. C'est ça que vous comprenez. Attends, les gens, si vous likez pas, jusqu'à 50k par Allah, j'éteins le live. Likez tous, il vaut mieux éteindre, parce qu'avec une consanguine qu'il y a là, franchement, on ne peut pas compter sur des gens qui ont l'air pour l'autre qui arrête pas de dire des gros mots, l'autre qui a les ordures racistes. Excuse-moi, mais franchement, la bande de consanguines, il faut vraiment les calmer. Allô, oui. Donc moi, je tiens à dire à toutes les personnes afro qui veulent défendre les noirs, ça sert à rien. Arrêtez de monter. Arrêtez de monter, ça sert à rien de monter. Parce que ça sert à rien de monter. Ça sert à rien de monter. Ça sert à rien de monter. Non, mais moi, je vous l'ai dit. Arrêtez de monter, ça sert à rien. Vous m'écoutez? La plupart des personnes afro et noires, ne montez pas. Ne montez pas, vous voyez très bien que c'est des gens qui sont frustrés. C'est des gens d'ailleurs qui ne s'entendent même pas entre eux aussi. Donc laissez-les se foutre entre eux. Et tous ceux qui veulent la guerre, je dis bien tous ceux qui veulent la guerre, que ce soit du côté des Noirs ou des Maghrébins, vous allez la voir en fait. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Vous allez la voir.